Então, o nosso próximo palestrante é Philippe Lacour. É um cara totalmente desconhecido, nem quem é. Boa noite. Eu sei que é difícil falar no quase em último lugar. Eu deixei o último lugar para um grande professor, vai ser uma atração última para todo mundo. Essa sessão é um pouco particular, porque eu vou falar para um professor que não teve a possibilidade, finalmente, de viajar para assistir com a gente a esse encontro, mas que teve a gentileza de me dar a apresentação dele, em que eu vou ler. Então, é uma apresentação um pouco particular. O professor Joseph Vidal-Rosset, je vais parler peut-être en français, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je parle français, portugais? Ouais, je vais parler français. Donc, Joseph Vidal-Rosset est professeur à l'université de Nancy. C'est dans l'est de la France. Et il va parler d'un livre de Jules Vuillemin. Jules Vuillemin, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est aussi un petit peu, on lui rend hommage dans ce colloque. Il a commencé par des textes existentialistes, mais il s'est orienté assez vite vers la philosophie des sciences pour des raisons, on va dire, rationalistes. Il a travaillé en particulier sur la philosophie des mathématiques, on en a parlé ce matin, mais c'est quelqu'un d'assez complet et il a un petit peu tenté de refaire la raison kantienne, la raison de Kant, en faisant une réflexion sur également la dimension esthétique, par exemple. Et là, aujourd'hui, je vais vous proposer un élément de réflexion religieux, puisqu'on va étudier un argument célèbre, une thèse célèbre qu'il a développée concernant Anselme, un auteur médiéval. Alors, ce que propose de faire Joseph Vidal-Rosset, c'est à partir de ce livre que je vais ici, Le Dieu d'Anselme et les apparences de la raison, je vais essayer de, en suivant Joseph Vidal-Rosset, faire une critique de ce que fait Vuillemin à partir d'une recomposition logique de la réflexion. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais une formalisation des preuves d'Anselme et de Descartes en logique classique? D'abord, je montre une validité de la preuve d'Anselme en logique classique. Ensuite, je peux montrer la cohérence de la prémisse de l'argument. Je vais, ça c'est la position de Joseph Vidal-Rosset, réfuter la thèse qui affirme une identité entre la prémisse et les antinomies épistémologiques, le paradoxe du menteur, etc. L'idée qu'il y a une identité entre la prémisse et les antinomies, c'est la thèse de Vuillemin, que Joseph Vidal-Rosset va donc critiquer. Ensuite, je vais mettre en évidence une faille sémantique dans la preuve du proslogion, qui est le livre d'Anselme. Ensuite, je vais montrer la validité en logique minimale de la preuve de Descartes. Ensuite, je ferai une analyse comparative. Je vais montrer que Descartes reçoit l'argument de Anselme et construit une preuve admissible d'un point de vue intuitionniste. Mais Descartes reproduit deux fois un défaut sémantique de la preuve d'Anselme. Donc, l'analyse logique que Vuillemin donne de l'argument d'Anselme dans le livre de Vuillemin en 1971 est fragile. Est fragile contrairement à la classification que Vuillemin a introduit dans son livre, qui existe à la fois en français et en anglais avec quelques différences, qui s'appelle « Nécessité et contingence », qui est un livre de 84 ou 86. Et donc Vuillemin aurait pu éviter cette erreur, selon Joseph Vidal-Rosset. Alors d'abord, on va reconstituer l'argument d'Anselme d'un point de vue logique. Voilà l'argument d'Anselme. D'accord, c'est le cœur de sa preuve. Je vous donnerai les références à la fin. « Seigneur, nous croyons que tu es quelque chose de tel
que rien ne se peut penser de plus grand. Et il est bien certain que ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand ne peut être seulement dans l'intellect. Car si c'est seulement dans l'intellect, on peut penser que ce soit aussi dans la réalité ce qui est plus grand. Si donc ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est seulement dans l'intellect, cela même qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est tel qu'on peut penser quelque chose de plus grand. Mais cela est à coup sûr impossible. Il est donc hors de doute qu'existe quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, et cela tant dans l'intellect que dans la réalité. Alors, comment on va formaliser l'argument d'Anselme ? Je vais introduire un domaine de définition, des variables et des constantes d'individus. Deux constantes d'individus, A et B, trois prédicats, Dieu, être existant dans la pensée, P, et R, être existant dans la réalité. J'introduis la relation d'ordre strict et la relation d'identité, et les règles de la déduction naturelle de la logique du premier ordre. La prémisse d'Anselme et les conséquences logiques de cette prémisse sont formalisées. Alors, comment formaliser la prémisse d'Anselme ? Il y a un objet de pensée qui, si le nom de Dieu lui est attribué, se définit comme ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Donc, en accord avec deux auteurs et des réramateurs, je vais formaliser selon la formule 1. La formule 2 est équivalente à la formule 1. Enfin, si je rajoute à la prédication delta x l'ensemble grand delta des prédicats que l'on peut mentionner au sujet de Dieu, j'obtiens la formule 3, qui est une formalisation recevable de la prémisse d'Anselme, qui tient lieu de schéma d'axiome pour la déduction de son argument. Première conséquence de la prémisse d'Anselme. J'ai la formule 3, qui est équivalent à la formule 4. Et la formule 4 implique la formule 5. Par transitivité de l'implication, on a la règle suivante qui est admissible. Tout le monde a pu lire. Sabine aussi ? D'accord. J'ai un schéma de démonstration qui est le suivant. La conclusion intermédiaire de RA, elle est déduite d'une contradiction avec, alors à gauche, vous ne voyez pas, ici, non B supérieur à A. À gauche, c'est ça. Et à droite, B supérieur à A. D'accord ? Comme ça, comme ma preuve, c'est une contradiction, ces deux expressions, à gauche, ici et à droite, ceci, vont être les deux buts de la preuve formelle d'Anselme. Alors, je vais glisser un peu sur la démonstration, qui est un peu longue. Pardon, hop, je vous la montre. Alors, en supposant que vous ayez compris... C'est dommage, j'arrive pas. Ça s'affiche pas très bien, si. On arrive à lire ça. C'est pas terrible. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce qu'en fermant, j'arrive à un meilleur résultat ? Emilio ? Oui, ça s'améliore un peu. Allez, change pas, je fais un plan, il faut voir. Donc j'ai le sécant qui est prouvé à gauche. D'accord. Alors tous ces développements, Joseph Vidal-Rossel les a publiés de façon plus détaillée dans un article. Quelle est la preuve à droite, dont le but est B est supérieur à 1. Voici le début de la preuve. Et l'hypothèse, excusez-moi,
Voilà. L'hypothèse B est identique à A est déchargée par la contraposée de la loi de Leibniz. Excusez-moi. Je poursuis. La preuve à droite du sécant, c'est cela. Il existe X, tel que P de X et RX delta, etc. D'accord ? Alors, quelle est la fin de la démonstration de l'argument d'Anselme ? C'est celle-ci. Et on a Tennant, en 2014, qui donne une preuve du même style, mais un peu plus complexe. Je donne la référence à la fin. Bon, je passe un petit peu sur ce détail. Je vais donc présupposer que vous avez compris la preuve. L'argument d'Anselme est logiquement valide et philosophiquement crucial. Pourquoi ? Il est indiscutablement valide parce que sa conclusion est la conséquence logique des prémices qu'il assume et les prémices sont vraies, donc la conclusion l'est aussi. En logique classique du premier ordre, la preuve d'Anselme montre que si l'on fait usage de la propriété « être Dieu » défini comme « être tel que rien de plus grand ne peut être pensé », alors aucune propriété ne peut être niée au sujet d'un tel être, comme la substance selon Spinoza. Il est en raison de la loi de Leibniz nécessairement pleinement positif. On peut donc sans contradiction nier qu'un tel être a la propriété d'être hors de l'esprit comme il est dans l'esprit, c'est-à-dire être hors de l'esprit comme celui qui est tel que rien de plus grand ne peut être, ne peut ni être ni être pensé. Pardon. On comprend pourquoi la première preuve que Descartes donne de l'existence de Dieu est fondée sur la recherche d'une idée dont la réalité objective est à la fois la représentation fidèle d'une réalité formelle hors de l'esprit et l'effet de cette même réalité formelle. Et on comprend mieux la portée de l'objection kantienne, être dans la réalité, c'est-à-dire exister, n'est pas une propriété, n'est pas un prédicat logique. La critique de l'argument d'Anselme peut être faite, du point de vue de la logique intuitionniste est limitée. La conclusion fait usage de la règle plus purement classique de l'élimination de la double négation et n'est donc pas valide du point de vue intuitionniste. Cependant, la contestation intuitionniste de la portée de la preuve semble limitée, car l'intuitionniste doit admettre la conclusion non RA, c'est-à-dire concéder qu'il est absurde de refuser une propriété positive à l'être à qui l'on attribue la propriété d'être Dieu. Enfin, notons qu'il est possible de tenir d'un point de vue intuitionniste exactement la même conclusion que celle d'Anselme, mais au prix d'un argument valide mais incorrect, qui est celui-ci. Deuxième point de mon exposé, l'argument d'Anselme est-il incorrect comme le prétend Vuillemin ? Alors la preuve d'Anselme, dit Vuillemin, est fondée sur une antinomie. Est-ce que cette remarque est pertinente ? C'est ce que dit Vuillemin, l'objection la plus fondamentale qu'on peut faire en Anselme, c'est qu'elle implique une contradiction, parce que caractérisant une entité qu'on ne peut penser, il est impossible aussi de donner quelque signification que ce soit à cette description. En fait, selon Vidal-Rosset, Vuillemin fait un glissement. La prémisse d'Anselme n'affirme pas que Dieu n'est pas pensable, mais qu'il est tel que rien de plus grand ne peut être pensé, et que cette expression a un sens, c'est-à-dire qu'elle est un objet de pensée. Le Dieu d'Anselme, dit Vuillemin, est conçu comme le complémentaire du monde, lui-même conçu comme l'ensemble de toutes les perfections, qu'il est possible d'en penser de plus grande qu'elle, telle qu'il est possible, pardon. Le concept de monde illustre les antinomies mathématiques ou dogmatiques qui regardent la chose. Il est construit par totalisation de l'expérience. Le concept de Dieu en est le complément. Voilà donc la critique fondamentale de Vuillemin. Je ne vais pas m'attarder sur la citation. Pour Vidal-Rosset, l'objection de Vuillemin est la suivante. Si on parvient à sauver la prémisse des antinomies mathématiques, qui sont ici, on ne peut pas la sauver des antinomies épistémologiques. Donc il y a un caractère antinomique qui est mathématique et il y a une antinomie épistémologique. Il y a deux types d'antinomies.
Quel est le reproche fondamental que Villemin fait à Anselme? Alors, Villemin n'a pas été le seul à soutenir qu'il y a un problème dans la prémisse d'Anselme, qui serait une contradiction, et qui la rendrait, qui n'invaliderait pas la preuve, mais qui la rendrait incorrecte. C'est ce qu'ont dit Viger et Schlenker dans deux écrits différents. Et par exemple, dans International Journal for Philosophy of Religion, on va lire « My argument is a reductio ad absurdum, starting from the assumption that there is greater than relation as Anselm conceives it in his definition of God. I argue that there is such a relation, then it is possible to generate Russell's paradox. Anselm's definition of God is self-contradictory. Of course, as a result, any conclusion follows validly from Anselm's premise, but the argument isn't sound. Anselm's argument is over before it begins because it starts with an incoherent notion. » Ça, c'est ce que dit notre auteur. Et, ah, pardon. La raison du rapprochement que Viger établit entre le paradoxe de Russell et celui qu'il voit dans l'argument d'Anselme tient dans l'usage dans les deux cas, selon lui, d'une prédication non restreinte. The flaw in Anselm's reasoning is that the notion of greater than he uses licenses unrestricted predication. Alors, peut-être pas passer longtemps sur le rappel du paradoxe de Russell, mais Joseph Vidal-Rosset fait un petit rappel ici. C'est une instance du principe d'abstraction non restreint qui affirme l'existence d'un ensemble de tous les éléments qui vérifient une propriété P quelconque, selon la formule 6. Russell a remarqué que cette instanciation de 6, hein, à savoir la formule 7, impliquait, via la règle de l'élimination du quantificateur universel, la contradiction 8, ici. Et par conséquent, le rejet nécessaire du principe d'abstraction non restreint de toute théorie des ensembles cohérentes. Le fait d'impliquer une contradiction n'est pas une vertu théorique, sauf pour Priest. Ça, c'est un golpe bas. Proposition 1. La prémisse d'Anselme n'est pas réductible à la contradiction du paradoxe de Russell. Alors, quelles sont les preuves à partir de la conséquence de la prémisse d'Anselme? On a cette preuve qui implique ce segment-là. La différence entre X et Y est par définition absente du principe d'abstraction non restreint. Alors, on peut avoir la même preuve à partir de l'algorithme de Quine. Et la question de Vidal-Rosset, c'est de se demander si Villemin a raison de considérer que la prémisse d'Anselme est victime d'une antinomie à la Burali Forti. C'est ce que dit Villemin. Lorsque la théologie est vraiment rationnelle, elle aboutit à l'antinomie du Burali Forti. Laquelle, cette antinomie, prouve qu'il n'y a pas d'instance de l'expression, je cite, « le nombre ordinal tel qu'il n'y a pas de nombre ordinal plus grand ». Alors, est-ce que la prémisse d'Anselme est une expression pour laquelle il est incohérent d'admettre une instance? Deuxième proposition, la prémisse d'Anselme n'est pas nécessairement victime d'une antinomie à la Burali Forti. Et voici pourquoi. Les arguments sont les suivants. La condition de l'antinomie, c'est concevoir Dieu défini dans la prémisse par une progression numérique infinie et comme ne pouvant être aucune instance de cette progression. Cette condition est trop forte. Par exemple, Descartes conçoit toute progression numérique comme indéfinie. Et il réserve l'adjectif « infini » pour qualifier Dieu, une distinction célèbre. La classe de tous les ensembles. Alors, j'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, dit Spinoza dans le premier livre de l'Éthique. Ça, ce sont des exemples d'expressions mathématiques ou métaphysiques pour lesquelles il n'est pas prouvé qu'elles impliquent des antinomies. D'accord. Donc la prémisse d'Anselme n'est pas nécessairement victime d'une antinomie à la Burali Forti. Alors, sur la condition d'unicité, si la démonstration de l'unicité de Dieu ne se trouve pas dans le livre d'Anselme, pour Villemin, c'est qu'elle se tire directement de la qualification de l'être décrit et qu'Anselme a supposé le lecteur capable
de la rétablir lui-même. Ça, c'est l'hypothèse de Villemain. Pour Vidal-Rosset, l'analyse logique qui a précédé montre que la démonstration d'unicité est le cœur de l'argument. La supposition selon laquelle A et B désignent deux entités distinctes, qui toutes deux seraient Dieu, enveloppe une contradiction. Et la cohérence n'est rétablie qu'en affirmant que si A et B sont dits être tous deux Dieu, alors, en raison de la définition de Dieu, A satisfait exactement les mêmes prédicats que B, et donc il existe comme B, à la fois dans la pensée et en réalité, et il ne peut faire qu'un avec B. Donc, pour Vidal-Rosset, ce n'est pas quelque chose d'implicite, c'est au contraire le cœur de l'argument. Il est cependant probable, en effet, qu'Anselme a supposé le lecteur capable de le comprendre. Alors, pour Villemain, la preuve d'Anselme est une preuve par les effets exclus. C'est la différence entre la preuve d'Anselme et la preuve de Descartes. D'accord ? Dans les méditations métaphysiques, Descartes fait une preuve par les effets, mais Anselme fait une preuve un petit peu différente. La preuve d'Anselme est une preuve par les effets parce qu'elle part d'une définition de Dieu qui s'appuie sur la définition ou la représentation que l'on s'en fait, mais par les effets exclus parce que la relation d'ordre strict de la définition implique la transcendance absolue de l'objet défini, c'est-à-dire Dieu, par rapport à ses créatures. Or, s'il est vrai que la transcendance est impliquée par la définition d'Anselme, il est faux que l'argument d'Anselme, contrairement à celui de Descartes, contienne une quelconque référence à l'idée de causalité. Sauf si on confond, comme Spinoza, causalité et conséquences logiques. On peut donc douter que l'expression soit pleinement justifiée, mais si tel est le cas, il faut le démontrer. Alors, que prouve vraiment l'argument d'Anselme ? Millikan voit dans l'argument d'Anselme une erreur de portée, scope fallacy, qu'on pourrait traduire aussi par erreur de catégorie. Dans la formalisation qu'a donnée Vidal-Rosset, le domaine de définition est celui des objets de pensée ou de croyance. Anselme prétend que l'idée de Dieu existant en réalité, et non uniquement dans la pensée, est supérieure à celle d'un Dieu existant uniquement dans la pensée. Alors, il y a une objection de Gonilon, mais il répond qu'à la différence de l'idée de Lille, l'idée de Dieu est unique et maximale, et par conséquent, nécessairement vraie, car une idée fausse de Dieu ne correspondrait pas à sa définition. La propriété de vérité pourrait remplacer celle d'exister en réalité. Cependant, il est tout aussi légitime de penser qu'Anselme ne soit parvenu que à prouver que croire en Dieu ou se représenter Dieu, c'est affirmer que Dieu existe tel qu'on se le représente, comme ce qui ne peut être surpassé par rien, ni dans la pensée, ni dans la réalité. La question reste ouverte et on peut souligner avec Descartes, contre Anselme, contre Spinoza aussi, que la vérité n'est pas une propriété des idées, mais des jugements. Est-ce qu'on est bon pour la traduction ? Ok. Alors, quelle est la logique de la première preuve par les effets chez Descartes ? On va réviser un peu les méditations. Voici ce que dit Descartes. Si la réalité objective de quelqu'une de mes idées est telle que je connaisse clairement qu'elle n'est point en moi, ni formellement, ni éminemment, et que par conséquent je ne puis pas moi-même en être la cause, il suit de là nécessairement que je ne suis pas seul dans le monde, mais qu'il y a encore quelque autre chose qui existe et qui est la cause de cette idée. Au lieu que, s'il ne se rencontre point en moi de telle idée, je n'aurai aucun argument qui puisse convaincre et rendre certain de l'existence d'aucune autre chose que moi-même. Donc, partant c'est donc, il ne reste que la seule idée de Dieu. Voilà, la preuve de l'existence de Dieu dans la troisième méditation. Je passe sur le reste. Comment est-ce qu'on peut formaliser ce qu'on appelle la preuve par les effets de Descartes ? On a deux constantes d'individus, C pour cogito, et D,
la réalité objective de Dieu, le contenu représentatif de cette idée ou la signification de cette idée. J'ai une relation d'ordre partiel et j'ai les règles de la déduction naturelle de la logique classique. Deux prémices pour démontrer la première partie de la preuve. Le cogito n'est pas la cause de la réalité objective de l'idée de Dieu. Et quatre prémices pour démontrer la seconde partie de la preuve. Il existe une cause formelle de la réalité objective de l'idée de Dieu et cette cause est absolument infinie. Quels sont les deux premiers principes pour la première partie de la preuve ? Une chose ne peut être la cause d'une autre qu'à la condition que la cause ait au moins autant de perfection ou de réalité que l'effet. Ça nous donne la formule 9. Il est faux que le « je pense », le cogito, soit d'une perfection supérieure ou égale à l'idée de Dieu. Ça me donne la formule 10. Ça, ce sont les deux premiers principes pour la première partie de la preuve. Alors la preuve que le cogito n'est pas la cause de l'idée de Dieu, c'est ça. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous croyez. Les quatre principes de la seconde partie de la preuve sont les suivants. Quel que soit Y, si Y est la réalité objective d'une idée conçue par le cogito, alors il existe une réalité formelle X qui est la cause de cette réalité objective Y. Ça me donne la formule 11, ici. La réalité objective de l'idée de Dieu est conçue par le cogito. J'ai la formule 12. Ce qui est actuellement infini a une cause seulement si cette cause est actuellement infinie. Formule 13. Et l'infini actuel est une propriété de la réalité objective de l'idée de Dieu. Formule 14. I de Dieu. Alors, la preuve qu'il existe une cause de l'idée de Dieu et que cette cause est actuellement infinie, voilà. Quand vous pensez à Dieu et que vous pensez que vous, ce n'est pas à cause de vous, vous pensez ça. La première preuve de l'existence de Dieu dans la troisième méditation de Descartes, exprimée en déduction naturelle, ça donne quoi ? Voilà. C'est une preuve qui a fait l'objet d'une publication. Je vous donnerai la référence ultérieure, on ne va pas la détailler. Quelques propriétés remarquables de la première preuve par les effets de Descartes. D'abord, elle est valide en logique minimale, donc a fortiori valide en logique intuitionniste. Deuxième point, contrairement à la preuve d'Anselme, elle n'implique pas l'unicité de l'être dont la réalité formelle est infinie, c'est-à-dire de Dieu. Troisième point, d'un point de vue formel ou syntaxique, la seconde partie de la première preuve par les effets est un théorème d'existence. Elle dépend de la formule, quel que soit Y, R de YC implique qu'il existe X tel que C de XY, et qui contient une conséquence existentielle et ne nécessite pas l'artifice qui consiste à faire l'usage d'un prédicat d'existence, contrairement à la preuve d'Anselme. D'un point de vue intuitif ou sémantique, cette preuve de Descartes repose sur une idée naturelle de l'existence de Dieu. Elle part de l'idée de Dieu présente dans le cogito, comme la, je cite, la marque de l'ouvrier sur son ouvrage, pour aller jusqu'à Dieu, c'est-à-dire à la cause de toute chose. Cinquième point, contrairement à la preuve ontologique de la cinquième méditation, comme le dit Guérou, la preuve qu'on vient de voir de la troisième méditation ne tombe pas, n'est pas victime de l'objection de Kant. Ça, c'est ce que Guérou souligne pour distinguer clairement les deux preuves, la troisième et de la cinquième méditation. Alors, il y a deux failles dans la première preuve par les effets de Descartes, quand même. Même si c'est Descartes. Une faille à gauche, c'est l'instance du schéma d'axiome sur lequel se fonde Descartes, qui est le suivant. Afin qu'une idée contienne une telle réalité objective plutôt qu'une autre, elle doit sans doute avoir cela de quelque cause dans laquelle il se rencontre pour le moins autant de réalités formelles. Donc la formule suivante dit que si le cogito est cause de l'idée de Dieu,
alors il y a au moins autant de perfection dans la réalité formelle du cogito que dans la réalité objective de l'idée de Dieu. Mais la formule suivante ne traduit une évidence que si elle signifie qu'il est absurde d'affirmer qu'il y a au moins autant de réalité objective dans le cogito, c'est-à-dire dans la représentation du « je pense » que dans l'idée de Dieu, car on ne sait rien de la réalité formelle du cogito. Descartes commet donc une erreur de catégorie soulignée par Kant. Il y a un autre défaut dans l'argument de Descartes, à droite, la formule suivante dit qu'un individu A n'est cause de l'idée de Dieu qu'à la condition d'être comme elle, actuellement infinie. C'est une autre erreur de catégorie dans le fait d'affirmer que la représentation de l'idée d'infini est elle-même actuellement infinie. Alors, conclusion, pardon. Pourquoi l'argument d'Anselme n'est pas une preuve par les effets? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Joseph Vidal-Rosset a raison contre Vuillemin? Ce qui précède montre que l'argument d'Anselme n'est pas une preuve par les effets au sens que Guéroux donne à cette expression. La classification de Vuillemin, donc dans ce livre « Nécessité ou contingence », aurait pu conduire Vuillemin à douter du rapprochement qu'il fait. L'argument d'Anselme, en effet, obéit mais à un ordre comparable à celui de l'éthique, système que Vuillemin appelle dogmatique. Comme chez Platon, c'est la définition droite de l'idée de Dieu qui commande pour Anselme la preuve de son existence comme propriété nécessaire de son concept. Alors que dans les méditations, c'est l'ordre des raisons propre à la méthode du doute qui conduit à ne plus douter de l'existence d'une entité qui est hors du cogito, un Dieu infiniment puissant et vérace, garant de la vérité de la preuve ontologique de la cinquième méditation. Anselme privilégie la prédication pure, tandis que Descartes privilégie les jugements de méthode. Et cela s'accorde avec l'analyse logique des deux arguments. L'argument d'Anselme est valide uniquement en logique classique, alors que le second ne repose que sur les ressources de la logique minimale, c'est-à-dire le noyau logique au sujet duquel tous les intuitionnistes s'accordent. Je vous remercie, vous avez les citations, et à défaut des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, je vous invite à faire des commentaires. Voilà, le livre de Vuillemin en anglais, qui est consultable, je crois qu'il est à la bibliothèque, c'est celui-ci, What are Philosophical Systems, qui correspond à peu près à celui-ci légèrement. Je remercie Joseph Vidal-Rosset de nous avoir envoyé son texte, même s'il n'a pas pu venir. Et on peut passer, je pense, Alexandre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, s'il n'y a pas de commentaires, je vais demander à... Sorry. Lots of believers. Can you go right back to the first step? Oh my God. So, where? Keep going. Here? Where? From 3 to 4. I was about to say so myself. Because the right hand side of 3 and the right hand side of 4 are not logically equivalent. Pointed for us. Okay, this is not logically equivalent to this. Sorry. Okay. Because this entails. That x is not greater than x, and this doesn't.
Let me call Joseph. I mean, this may not affect the proof because you've got the biconditional one way, and I wasn't fast enough to see whether you actually need the biconditional or the condition is good enough. But that step, as it stands, is not valid. Okay. Other reactions? A question to Graham. So if you say that the transition from 3 to 4 isn't valid, so because negation of greater than is either equal or lesser than, so why isn't it correct for you? Or because there is no x, if there is no x, we cannot say anything, but it's not the case? This right-hand side entails that it's not the case that x is greater than x, right? So this does not entail that, because it says that anything distinct from x... But the, well, 4 and 5 are supposed to be equivalent, right? But the question is not that you just suppose that there is a total order. That's the issue. If you suppose that there is a total order, there is equivalence. Look, if that's true, it's not even an order, because it's anti-reflexive. Because this entails that x is greater than x. So it's not an order. Well, it's called a strict partial order. No, I think there is no mistake. I think it's equivalent because. So in the first line, we said it's not possible to have a y strictly greater than x. Okay, so it doesn't. Ça n'empêche pas. Je ne trouve plus le mot en anglais. It doesn't prevent. To have x in the second line, the focus is put on x. For all y, is it possible to have x equally greek or x strictly greater? I don't see a problem, in fact. Oh, okay, yes. This step doesn't follow, but this one does. Okay, so notice you've gone from a biconditional to a conditional, and that's okay, right? So. Nothing's greater than y, then nothing distinct from x is greater than y. So, this that it's gone to a conditional. So that's okay. I'm not a logician, but I teach mathematics. And my point, if I understand well, the equivalence between 3 and 4, the only issue at stake is the fact that you have to suppose that you have a total order and not a partial order, in the sense that if you have a total order, if y is not greater than x, then you would have this. No? But look, first of all, there are no axioms for ordering in the proof. But secondly, okay, if you add the axioms that this is a partial order, okay, well, yeah, it's a the right-hand side is just false. Yeah, of course. Ah. So the issue is that you have to suppose, in addition, that you have a total order. That's my point. Not a partial, but a total order. That's the issue at stake. I don't see why totality or partiality has anything to do with it. So, I think the two first lines are really equivalent, and then with the third line, this is not equivalent, this is an implication. And so, there is no problem either, I think. So, we draw the conclusion from the equivalent to the first two equivalent propositions that, indeed, finally, we have... For all y, no x equal to y, and so x is strictly greater than y, and he has his proof that God is the greater thing we can possibly think about.
Not sure I'm clear. Other, tem outras perguntas ou reflexões? É o momento de decidir se você bota fé. Ok. Merci beaucoup. Obrigado. Thank you, everyone. Thank you, Joseph Vidal-Rosset.